Salut les trophistes, aujourd'hui troisième et dernière étape pour que votre moteur fonctionne comme une horloge, on va réviser et régler le carburateur. Donc vous allez commencer par dévisser la petite vis papillon au-dessus de la boîte à air, ensuite vous enlevez la boîte à air et le filtre à air. Maintenant vous pouvez dévisser les trois vis de 10 qui se trouvent au-dessus du socle de boîte à air, ça va vous permettre d'enlever le socle. Ensuite vous dévissez les trois vis du support de boîte à air. Moi c'est des vis BTR, mais je suis pas sûr que ce soit d'origine. Ensuite, vous pouvez retirer le ressort qui tient le papillon de gaz. Ça vous permet de desserrer la vis de 7 qui se trouve en bas de la cam d'accélérateur. Vous la desserrez de quelques tours, puis vous pourrez retirer le cap d'accélérateur en tirant dessus. Là, avec une clé de 10, je desserre l'écrou qui maintient la cam d'accélérateur. Vous n'êtes pas obligé de le faire maintenant, vous pourrez l'enlever après, ce sera même plus pratique. Si vous le faites là, pensez à bien remettre tous les petits composants dans le bon sens pour rien perdre et que ce soit plus facile au remontage. Ensuite, débranchez le tuyau de dépression en tirant dessus. Pour retirer le câble de starter, il y a un petit clips à enlever au niveau du carburateur, donc clac, vous tirez dessus. Et ensuite, vous allez devoir retirer le câble. Bon, moi je me sers d'une petite clé, c'est plus pratique pour tirer dessus. Vous le sortez de son ergot et hop, le câble est libre. Ensuite, vous dévissez le collier de serrage de l'arrivée d'essence et vous retirez l'arrivée d'essence. Attention, il y a sûrement de l'essence qui va couler. Ensuite, vous retirez les deux durites de recyclage d'huile qui arrivent au carburateur. S'il y a des colliers de serrage, vous les défaites avant, sinon vous tirez juste dessus. Maintenant, avec une clé de 12, il ne vous reste plus qu'à défaire les deux écrous qui maintiennent le carburateur à la pipe d'admission. Puis vous pouvez enlever le carbu en tirant dessus. Maintenant, on va démonter entièrement le carburateur pour le nettoyer. On commence par enlever les 5 vis qui maintiennent le carburateur en un seul morceau avec un tournevis plat. Et ensuite, on tire sur les deux morceaux pour le séparer en deux. Quand vous reposez la partie supérieure du carburateur, attention à ne pas abîmer la petite tige qui descend dans la cuve. Vous pouvez retirer l'ancien joint. D'ailleurs, le mien, il est cassé, donc il va falloir le changer. Ensuite, il y a une petite pièce en plastique à enlever avant de pouvoir enlever le flotteur. Si elle ne vient pas avec les doigts, prenez une petite pince. Ensuite, on sort le flotteur. Donc pareil, soit avec une pince, soit moi j'ai utilisé un tournevis. On peut remarquer qu'il y a un peu de saleté au fond de ma cuve, donc j'ai bien fait de le démonter. Là, je vous conseille de faire comme moi, vous récupérez l'essence qui est dans la cuve de votre carburateur et ça vous servira à le nettoyer. Vous pouvez maintenant démonter par exemple la vis de richesse. Vous la dévissez à fond, attention de rien perdre. Il n'y a pas d'importance sur l'ordre dans lequel vous effectuez ces actions du moment que vous défaites tout. Ensuite, il faut enlever l'écrou de vidange qui se trouve sous la cuve pour avoir accès au gicleur principal. Vous le défaites avec une clé de 10. Vous pensez à retirer le petit joint qui va avec et à ne pas le perdre. Là, moi, je démonte le système de starter. C'est pas forcément nécessaire. C'était juste pour faire un nettoyage vraiment approfondi de l'extérieur. Mais ça, c'est juste pour l'aspect. Donc, si vous voulez le défaire aussi, vous défaites la vis qui maintient la pièce de starter avec un tournevis plat. Et ensuite, pour l'enlever, vous allez tirer dessus, mais bien verticalement. Vous pouvez pas la tourner, il y a un détrompeur et si vous essayez de forcer, vous risquez de le casser. Là, avec un tournevis plat, je passe par le trou de la vis de purge de la cuve et je défais le gicleur principal. Là, pareil, je dévisse le gicleur de ralenti, toujours avec un tournevis plat. Alors ça, ne le faites pas, j'ai voulu le faire pour essayer, mais c'est pas une bonne idée, c'est une petite pièce que vous pourriez éventuellement démonter. Je vous déconseille de le faire parce qu'il y a un joint dessous, vous risquez de l'abîmer. Il va être chiant à refaire et c'est une pièce qui n'a pas besoin d'être démontée pour être nettoyée. Elle est maintenue avec deux vis dans le conduit principal, donc pas la peine de la défaire celle-là. Pour le nettoyage, vous allez mettre tous les petits composants que vous avez démontés dans de l'essence, puis vous allez les remuer avec un pinceau par exemple. Une fois que c'est fait, vous les ressortez, vous les séchez, n'hésitez pas à utiliser un compresseur si vous en avez un. Vous vérifiez que vos gicleurs ne sont pas bouchés. S'ils sont bouchés, vous pouvez les remettre à tremper, vous pouvez essayer de les déboucher avec une petite pointe en plastique. Par contre, n'utilisez pas de métal, sinon vous allez les rayer et ça va les détériorer. Pour tester le flotteur, vous le mettez dans de l'essence et vous vérifiez qu'il flotte bien et qu'il ne se remplit pas d'essence. Maintenant, on attaque le gros du nettoyage avec le corps du carburateur. Donc pour ça, vous allez utiliser un pinceau ou une vieille brosse à dents. Vous la trempez dans de l'essence et puis vous frottez le carbu dans tous les sens. Vous frottez bien tous les recoins. Et une fois que le carbu vous paraît bien propre, vous pouvez souffler avec un compresseur si vous avez la chance d'en avoir un.
J'ai oublié de filmer ce passage-là, moi je l'ai fait. Si vous n'en avez pas, bon courage, il va falloir souffler à la bouche dans tous les petits trous et vérifier qu'ils ne sont pas bouchés. Une fois que tout ça est fait, si vous avez l'impression que l'intérieur du carburateur n'est pas encore tout propre, vous avez deux solutions. Si vous avez de la chance et que vous avez accès à un bac à ultrasons, vous passez tout le carburateur et les pièces au bac à ultrasons pour le nettoyer. Et sinon, vous piquez une vieille casserole à la maman et vous faites bouillir toutes les pièces dans du vinaigre, sauf les pièces en plastique bien sûr. Et ça va nettoyer impeccable, peut-être même mieux que le bac à ultrasons. J'avais oublié l'arrivée d'essence, donc elle, il faut la nettoyer aussi. Pour ça, vous la dévissez avec une clé de 10 et ensuite vous retirez le petit filtre qui se trouve derrière pour le nettoyer. Vous pouvez ensuite la remonter. Maintenant que tout est bien propre, on va passer au premier réglage. Pour ça, il va falloir mesurer la hauteur de pointeau par rapport au plan de joint. Donc, le plan de joint, il est là. La hauteur de pointeau, on la prend ici avec la bille non enfoncée. Pour ça, vous prenez un pied à coulisse. Bon, donc sur certains carbu zénith, c'est plus facile que ça à régler. Moi, je me mets sur la petite corette qui est juste à côté. Il y en a certains où le plan de joint est vraiment collé en fait au pointeau, donc c'est plus facile à mesurer. Donc, je fais ma mesure. Et donc, j'ai bien mes 8,9. Pour ce modèle-là, il faut une hauteur de pointeau de 8,9. Donc, c'est correct. Si jamais c'est pas correct, vous dévissez le support du pointeau. On va le faire pour montrer. Et vous changez l'épaisseur de la rondelle qui est ici. Donc c'est parti, maintenant on va remonter le carburateur, maintenant qu'il est propre, et donc ses différents composants. Donc on commence par remonter le gicleur de ralenti. Attention à pas serrer comme une brute. Ensuite on va remonter le gicleur principal. Pareil, on ne serre pas comme une brute. On remet la vis de purge de la cuve, qui sert également de bouchon pour accéder au gicleur. On ne serre toujours pas comme une brute. Ensuite, on va remonter le flotteur, sa petite cage. Bon, là, je suis en train de finir de fabriquer le joint de mon carburateur. On va remonter le haut du carburateur sur le bas, sans oublier le joint. Donc vous avez mis un joint neuf si votre joint était mort. Ou vous en avez refait un comme moi. Je préfère en refaire un. Ensuite, vous allez remonter les 5 vis qui maintiennent le carburateur en une seule pièce. Et vous allez les serrer en croix pour répartir la pression équitablement. On remonte la vis de richesse, qu'on vient serrer à fond mais sans forcer, juste on la met en butée. Voilà, là je suis en butée et on va venir la desserrer de 3 tours. 1 tour, 2 tours, 3 tours. Ce sera notre réglage par défaut. Donc cette pièce là, elle va venir mettre là-dedans. Ensuite ici on a un détrompeur. Pareil, on se met dans le détrompeur. Hop. On vérifie que ça fonctionne. Visiblement ça fonctionne toujours, donc on va pouvoir revisser. Là tout fonctionne, donc on va s'attaquer au réglage de l'ouverture du papillon d'air au moment du départ à froid, donc c'est-à-dire quand le starter est mis en position. Donc là, mon starter, il est mis. Si je pivote ça, mon starter n'est plus en place. Là, je le remets. Et donc, ce starter, quand on le met, en même temps, il ouvre légèrement le papillon d'air. Donc là, il est fermé, papillon fermé. On l'ouvre, ça ouvre légèrement le papillon. Grâce à la petite pièce qui est là et qui vient pousser directement le papillon.
Pour connaître la valeur d'ouverture positive du papillon de gaz au départ à froid, c'est comme pour le réglage de la hauteur du pointeau, vous allez voir sur la revue technique ou sur internet. La référence de votre carburateur, elle est marquée dessus, juste ici. Moi, sur le mien, l'ouverture doit être de 1 mm, comme sur à peu près tous les moteurs 1100 cm3. Donc ça correspond en gros au diamètre d'un trombone. Un trombone, c'est légèrement plus petit qu'un millimètre. Si vous avez un moteur plus petit, par contre, il faut que vous trouviez l'écartement qu'il vous faut et quelque chose d'équivalent. Donc par exemple, pour les plus petits moteurs, ça doit être 0,75 mm qu'il vous faut. Donc je vous laisse vous trouver quelque chose de ce diamètre-là, ou alors vous prenez une lime et puis vous limez votre trombone jusqu'à ce qu'il fasse le bon diamètre. Donc pour le réglage, vous mettez le starter en position. Ensuite, vous allez venir glisser la tige de votre trombone entre votre papillon et votre carburateur. Vous fermez votre papillon à fond. Et ensuite, on va venir régler l'écartement du papillon grâce à cette tige qui est retenue par une vis ici. Vous desserrez la vis de façon à ce que la tige soit libre. Donc là, elle est bien libre. Et donc, toujours en retenant cette partie-là du carburateur, que le papillon soit bien pincé contre le trombone. Appuyez pas comme un malade, ça sert à rien. D'ailleurs, autre chose, je n'ai pas précisé. Serrez bien à fond votre pièce de façon à ce qu'elle n'ait pas de jeu. Une fois qu'il n'y a plus de jeu, vous glissez votre trombone, vous fermez votre papillon et vous le maintenez fermé. Du coup, le trombone, il tient tout seul grâce à la pression que vous exercez dessus. La pièce qui ouvre le papillon, elle doit être bien embutée. Et vous n'avez plus qu'à resserrer la vis qui bloque la tige de réglage. Du coup, si on enlève le trombone, il y a toujours un écartement de 1 mm. Et si je fais des allers-retours avec le starter, on voit le papillon qui s'ouvre et qui se ferme d'un millimètre. On va maintenant pouvoir remonter le carburateur sur la voiture. Mais d'abord, on va venir vérifier l'état de l'entretoise anti-chaleur et des joints qui sont entre le carbu et l'admission. Et s'ils sont abîmés, il faut les changer. Ensuite, vous remontez votre carbu, vous vissez les deux écrous qui tiennent son embase. Et vous pouvez brancher la durite d'essence et les durites de recyclage d'huile. Ensuite, on va remonter la cam d'accélérateur. Pareil, si vous voulez la remonter avant de remonter le carbu, c'est plus facile. Sinon, vous dévissez l'écrou et la rondelle freinée. Vous remettez la cam d'accélérateur dans le bon sens, puis vous remettez la rondelle et l'écrou, et vous serrez bien pour pas qu'il y ait de jeu. Ensuite, vous passez le câble d'accélérateur dans sa bride, et vous le tendez bien. Vous resserrez le câble avec une clé de 7. Et une fois qu'il est bien serré, vous pouvez appuyer sur la pédale de l'accélérateur pour vérifier que ça fonctionne et que votre papillon s'ouvre à fond. Ensuite, vous remontez le starter. Pour ça, vous re-rentrez en force le starter dans son téton. Puis vous remettez le clips qui tient la gaine. Et là, pareil, on teste pour vérifier que ça fonctionne bien. Plus qu'à remonter la boîte à air et on pourra aller faire un tour pour faire chauffer le moteur, ce qui nous permettra de régler ensuite le ralenti de la voiture. Allez, on fait chauffer tranquillement la voiture sans taper dedans et on se retrouve juste après pour voir ce que ça donne. Bon, bah concrètement, par rapport à avant les réglages, donc je rappelle, réglage de l'allumage, des culbuteurs et du carburateur, la voiture avait beaucoup plus de mal à démarrer, elle peinait, elle avait un manque de couple sur le démarrage. Là franchement, c'est plus la même voiture, elle est beaucoup plus coupleuse, ça part tout seul, c'est super rond. La voiture elle répond bien, dès qu'on accélère ça part tout de suite. Elle monte dans les tours sans souci. On peut encore gagner en couple et en performance dans les tours quand il y aura l'avance à dépression qui sera remise. Mais en attendant déjà vraiment le moteur il est souple, beaucoup mieux qu'avant. Là on sent la voiture fiable. Donc là on rentre maintenant que la voiture est bien chaude et direct après on règle le ralenti. Vous démarrez la voiture, au point mort, vous laissez tourner le moteur et on va venir agir sur la vis de richesse qui se trouve ici et la vis d'ouverture du papillon qui se trouve ici. Donc là, on entend tout de suite que le régime moteur est beaucoup trop élevé. Donc on va venir desserrer la vis de ralenti. Et si au contraire, votre régime moteur est trop bas, donc que votre moteur ne tient pas le ralenti, il va falloir que vous vissiez la vis de ralenti. Et le but, c'est que votre moteur tienne le ralenti tout en faisant le moins de bruit possible et en tournant le plus rond possible. Une fois qu'à l'oreille vous pensez avoir atteint ce réglage, on va venir agir sur la vis de richesse pour la régler.
La vis de richesse, il faut essayer de la tourner dans les deux sens et de trouver la position sur laquelle le moteur a le plus haut régime de ralenti. Une fois que vous l'avez trouvé, vous retournez sur la vis de ralenti, vous redesserrez la vis de ralenti pour obtenir le régime le plus bas possible et le plus rond possible, et ensuite vous retournez sur la vis de richesse et pareil, vous la retournez jusqu'à ce que le moteur ait le régime le plus haut, et ainsi de suite jusqu'à obtenir donc le meilleur réglage possible.